Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Union Scrabble. En dessous, c'est de tous abonner, cliquez là sur abonner, vous activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, devons-nous prier pour nos ennemis et pourquoi? Mais dites-nous, que nous dit la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a demandé de prier pour nos ennemis. Ah! Celui qui te fait du mal, qui t'attaque jour et nuit, le Seigneur te demande de prier pour lui. Pourquoi? Quel impact cela a dans le monde des ténèbres? C'est de ça que nous allons vous parler ici, au travers de ce témoignage de ce texte sataniste, qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses, tout ce qui se passe dans ce monde. Alors si vous êtes prêts, let's go! Let's go! Bienvenue! Nous sommes sur Union Scrabble. Et nous sommes chauds. Un vrai chrétien, il n'est pas timide, il est chaud. Let's go. Hey, mes frères et sœurs. Comme vous le savez bien, nous sommes en guerre. Et le monde des ténèbres travaille nuit et jour pour nous compliquer la vie. Mais c'est grâce à Dieu et dans la prière que Dieu lui-même permet que nous soyons tous délivrés. Voici qu'un jour, j'éteins tout clairement. Voici qu'un jour, une femme va se mettre à prier. Et elle va se mettre à prier pour qui? Pour tout le monde. Même ses ennemis. Même ses ennemis. Alors qu'elle ne savait même pas qu'il y avait des ennemis même dans sa propre maison, dans sa famille. C'était son frère même, c'était son ennemi. Est-ce que c'est son frère? Son frère? Non, 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 c'était son fils. Voilà, merci. C'était son fils, merci Seigneur de m'avoir rappelé. Et voici qu'un jour, quelque chose de vraiment bizarre va se passer. Son fils là, vous savez pourquoi on dit il est son ennemi? C'est parce que c'est un sorcier entre nous. Un sorcier sera forcément votre ennemi. Si vous êtes chrétien, mais là, c'est grave. Et un jour, dans le monde des ténèbres, les satanistes ont demandé à tous ceux qui sont là-bas d'apporter comme sacrifice des oreilles. C'est-à-dire oreilles. De quelqu'un, et ils ont choisi cet homme-là pour qu'il apporte tout simplement les oreilles de son père. Donc lui, il devait entrer dans la famille pour chercher des oreilles de son père. C'est-à-dire, une fois qu'il a levé ses oreilles spirituellement parlant, physiquement, vous allez voir que cet homme, son père, ne pourra plus entendre. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais voici ici quelque chose de grave qui va se passer. Quand il va arriver auprès de qui? De son père pour tenter d'enlever son oreille ou encore de détruire son audition, il y a quelque chose de vraiment grave qui va se passer. La chose qui va se passer là, ça va même le donner lui-même. Il dit, quand un sorcier sort de son corps et qu'il va opérer là, il n'a plus le même esprit comme nous. C'est un autre esprit qu'il a. C'est un esprit de destruction. Un démon même qui est en lui. Bizarrement, quand il était là, arrêté, devant son père qui voulait s'apprêter maintenant à lui trouiller les oreilles, ou encore lui détruire les oreilles, voici que, du coup, il ne sait pas comment ça s'est passé. Il se demande même qui priait même pour son père même, ou bien qui est en train de prier pour lui. Mais du coup, son esprit mauvais là, l'a quitté. Il ne voulait même plus faire du mal à son père. Alors qu'il était devant son père, il devait lui faire du mal. C'est un ennemi cet homme là. C'est un mauvais type, selon vous. Qu'est-ce qui l'a empêché d'opérer? Il dit, franchement, lui ne sait pas.
Mais il sait une seule chose. Seule la prière du juste là peut faire de tels effets. Seule la prière du juste. Il se cherche à savoir, mais qui dans la famille là priait pour lui ou bien pour la personne, mais ça a eu un impact sur lui et sur son opération. Il est obligé d'abandonner sa mission et de prendre des oreilles d'autres personnes pour venir présenter là-bas comme si c'était les oreilles de son père. Eux là-bas, comme ils avaient besoin d'oreilles simplement, ils n'ont pas vu d'inconvénient et ils ont pris ça. Voici comment son père là, a été sauvé ce jour-là. Son père lui-même là, il n'est pas au courant. Sa maman qui prie là, elle n'est pas au courant. Vous voyez, ça veut dire que Dieu opère des miracles jour et nuit dans la vie des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas au courant. Ils se disent que non, Dieu n'est pas là et puis ils ne voient rien. Alors que vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Nous savons tous que le diable est ici. Il est là même. Il est là. Et nous savons également qu'il veut tuer l'homme. Il veut que tout le monde meure, qu'il aille en enfer. Il veut voir les gens souffrir chaque jour. Mais si vous êtes en vie là, dites merci à Dieu. Et puis, priez pour vos ennemis. On ne sait jamais. Peut-être voici un sorcier comme ça. Au moment où tu seras en position de faiblesse là, pendant que quelqu'un sera en train de prier pour ses ennemis là, si ce sorcier là se trouve parmi les ennemis là, Dieu peut épargner, Dieu peut faire quelque chose. Vous pensez que c'est un hasard que cet homme-là, face à la personne qui est devant là, qui devait tuer vers sa face à son père, dont il devait prendre l'oreille là. Vous pensez que c'est un hasard qu'il a eu ce sentiment-là? Non. C'est tout sauf ça. C'est Dieu lui-même qui opère des miracles. Et aujourd'hui là, c'est cet homme-là lui-même qui nous a raconté ce témoignage-là, qui se trouve même sur Nyon-sur-Bonne. J'étais un coup de pouvoir. Ah! Cet homme parle en long et en large des sorciers et de la manière d'opérer. Jetez un coup d'œil sur cette vidéo, sur Nyon-sur-Bonne. Il s'agit des sorciers et les trois types de sorciers. Cherchez la sorcellerie noire. Nous vous donnerons rendez-vous donc pour la prochaine vidéo qui paraîtra là maintenant. Vous comprendrez encore beaucoup de choses et pourquoi il est important de prier même pour ses ennemis. Ah! Celui qui possède tes ennemis, qui sont des sorciers là. Ceux qui possèdent, ce sont les démons. Ce sont les démons. Donc c'est contre le démon que tu dois te battre. Contre la personne qui est là. Béni. Essaye de faire ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire là pour voir. Si un ennemi, quelqu'un vient vers toi, il vient pour t'attaquer, puis tu dis que Dieu te délivre. Essaye pour voir quel effet ça fait.